Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir le top 10 des règles de Mark Zuckerberg. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses. Brièvement, qui je suis, qui est Mark Zuckerberg et enfin le top 10 de ses règles. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'indiquerai comment tu peux télécharger gratuitement la vidéo privée, les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver en eux la confiance dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg, a Lancé Facebook depuis son dortoir à l'université d'Harvard. Facebook s'est rapidement développé pour atteindre un milliard d'utilisateurs en 2012. Il est actuellement président et chef de la direction de Facebook. Il reçoit un salaire d'un dollar en tant que PDG de Facebook et a lancé le projet internet.org fin août 2013. Un film basé sur lui et les années fondatrices de Facebook, The Social Network, a été publié en 2010. Il a également signé The Giving Pledge et sa valeur nette est estimée à 71,5 milliards de dollars US en septembre 2017. Forbes a cassé au cinquième rang des personnes les plus riches du monde, juste après Bernard Arnault, l'entrepreneur français. Et le 28 mai 2017, il a reçu un diplôme honorifique de Harvard. Tu l'as compris et tu dois certainement utiliser Facebook. Mark Zuckerberg a révolutionné la façon d'interagir et a surtout révolutionné et enterré. Et On va maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier ou à partager la vidéo dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle de Mark Zuckerberg est de commencer. Commencer parce que il y a plein de fois dans notre vie où nous avons envie d'envisager quelque chose mais que nous ne passons pas à l'action et que nous gardons, eh bien, cette idée dans notre tête sans passer à l'action. Ce qui fait que très régulièrement, en fait, on va se rendre compte que les années passent et qu'on a loupé des choses qu'on aurait vraiment pu faire et vraiment dû. Faire. Donc, dans les projets, ce que tu peux avoir en tête actuellement dans ta vie, je t'invite à commencer dès maintenant, à prendre la première fois, le premier pas pour pouvoir te mettre en action et donc aller au devant des choses que tu n'as pas encore voulu mettre en pratique. Deuxième règle d'or, c'est prendre des risques. Mark Zuckerberg explique que s'il savait toutes les complexités qu'il allait rencontrer dans l'utilisation, des gens sur, sur Facebook, il n'aurait certainement jamais lancé son entreprise. Mais ce qui lui a plu, c'est ce côté interaction, voir que ça fonctionnait et de voir et d'avoir envie de voir jusqu'où eh ben, son expérience pouvait aller. Et c'est pour ça qu'il a continué encore, encore et encore. Mais vous devez prendre des risques, tu dois prendre des risques sur les choses que tu as envie d'envisager, les projets que tu as envie de te lancer, parce que c'est vraiment grâce à ces risques-là que tu vas pouvoir te développer et sortir, encore une fois de Ta zone de confort. Troisième règle d'or, c'est continuer. Euh, L'une des premières choses qui certainement t'es déjà arrivée, c'est de commencer quelque chose de nouveau qui t'intéressait, d'être très motivé, d'être passionné, de prendre énormément de plaisir par rapport à ben voilà ta pratique. Et puis tout d'un coup d'avoir ben cette baisse de motivation et ne pas avoir encore spécialement l'habitude eh bien euh, de reproduire les actions que tu dois produire pour atteindre les résultats que tu veux atteindre. Et eh bien cette traversée du désert, on la connaît tous dans tous les domaines de notre vie. C'est ce moment de flottement, de doute dans lequel on peut se dire à quoi bon euh, ben voilà de persévérer, de continuer à prendre ses risques et de continuer. Et la seule réponse à tout ça, c'est si tu as cette idée de te dire est-ce que je dois arrêter ou pas Eh bien cette seule idée doit être de continuer. Quatrième règle d'or, c'est préparez-vous à être mal compris. Euh, certainement, ça ne t'a jamais échappé, mais lorsque tu commences quelque chose de nouveau, les gens te posent la question pourquoi veux-tu faire ça Mais quand, eh bien, les résultats commencent à être vus perçu, les gens te demandent comment as-tu fait ça. Donc tu vas être mal compris et les gens vont te poser pourquoi euh, veux-tu te lancer dans cette direction, pourquoi veux-tu atteindre des résultats différents, pourquoi utilises-tu des moyens différents Et justement grâce et eh bien à ces pourquoi tu vas pouvoir identifier que tu es mal compris et que tu es donc sur le bon chemin. Cinquième règle d'or, c'est avoir des héros. Quelles sont les personnes, les modèles, les personnes qui t'inspirent énormément et pour lesquelles tu aimerais avoir la même vie en tout cas avoir les mêmes niveaux d'action qu'elles font dans leur quotidien. Qu'est-ce qui t'inspire et quels sont ces héros qui euh, bah voilà, te donneraient envie de pouvoir les imiter Qu'est-ce que tu as envie d'imiter chez eux On a tous des héros dans les différents domaines de notre vie, des personnes qui nous ont mentorés ou qui vont en tout cas beaucoup inspirer à des moments de notre vie. Les euh, réfléchir, les maintenir en vie dans notre esprit en pensant régulièrement à eux, éventuellement penser, à avoir des conversations imaginaires avec eux sur les situations que vous rencontrez, Ça va vous permettre encore une fois de toujours garder votre motivation intacte, quelle que soit la traversée du désert que vous avez. Sixième règle d'or, c'est offrir de la valeur. C'est l'objectif de ce monde et dans lequel nous sommes, c'est qu'une relation, eh bien, euh, n'a en fait de valeur que ce qu'on lui donne et ce qu'on lui ajoute. Si je n'ajoute aucune valeur à la personne avec qui je suis au quotidien ou régulièrement, cette personne n'a pas forcément envie de me revoir. Donc, je dois toujours être capable de pouvoir savoir qu'est-ce que moi j'attends de cette relation et qu'est-ce que l'autre attend de cette relation pour à mon tour apporter de la valeur et que l'autre personne puisse aussi m'en apporter. Donc offrir de la valeur reste quand même l'une des choses les plus agréables parce qu'on a ce sentiment d'avoir donné et d'avoir rendu une condition sociale moins dure. Septième règle d'or, c'est travailler en équipe. Euh on peut être très motivé, on peut être très dynamique seul, on peut avoir des milliers de choses, des milliers de capacités, euh, des talents extraordinaires, mais rien ne remplacera le travail d'équipe. Et cette compétence transverse est parfois trop bien souvent négligée. Plus on va faire d'études, plus en fait on va avoir cette éducation sur le fait que tous nos résultats dépendent exclusivement de notre travail personnel, alors qu'en fait, plus on va travailler en équipe et plus justement, eh bien on va aller plus loin. Tout seul, on va loin, ensemble on va beaucoup plus loin. Huitième règle d'or, c'est croyez en votre mission. Quelle est la mission pour laquelle tu es ici devant cette vidéo Quelle est la mission pour laquelle tu es ici sur Terre Te poser ces questions, t'offrir des réponses par rapport à ce que tu peux imaginer ou conceptualiser par rapport justement, eh bien, à ce que tu imagines de ta vie, va te permettre encore une fois de nourrir ton réservoir, de faire le plein d'énergie et de pouvoir continuer avec ton corps à avancer vers les objectifs que tu veux. Neuvième règle d'or, c'est aider les autres à trouver leur but. C'est très bien si tu as trouvé ta mission, trouvé ton but, mais les personnes autour de toi n'ont pas forcément encore le recul ou ne sont pas encore autant éduquées que tu ne peux l'être aujourd'hui. Aide les personnes en leur apportant justement cette valeur, de leur permettre d'avoir cette vision, cette réflexion, cette analyse et cette perspective sur l'issue de leur vie. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est rappelez-vous où vous avez commencé. Ceci peut être par une relation, ceci peut être par des souvenirs que vous évoquez régulièrement, mais rappelez-vous d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez vécu de difficile et quels ont été les doutes que vous avez obtenus sur le, sur le, sur le chemin et qui vous ont motivé à continuer encore, encore et encore. Pour vous permettre d'être jusque là où vous en êtes. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. J'aimerais, avant qu'on se quitte, te poser trois questions. Je t'invite à répondre à ces questions dans les commentaires. Quelle est la règle que tu retiens de cette vidéo? Quelles sont les compétences que tu dois acquérir pour progresser dans ta vie? Que dois-tu améliorer dans ta vie dès maintenant pour te sentir encore mieux? Réponds-moi dès maintenant dans les commentaires pour qu'on puisse commencer un échange. Enfin, merci beaucoup pour ton attention. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description de cette vidéo d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, trouve juste en dessous dans la description la vidéo privée et le lien pour télécharger les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.